Il n'est pas exagéré de dire que l'histoire des sciences est une des plus belles épopées qui ait jamais eu lieu au sein de notre espèce. Depuis des temps immémoriaux jusqu'à notre siècle, il n'est rien qui personnellement m'émeut plus que la formidable aventure de l'homme pour comprendre le monde qu'il habite, pour essayer d'en percer les secrets et les lois. C'est justement cette aventure que je vous propose d'explorer ensemble, et bien plus que de faire un catalogue chronologique des découvertes scientifiques, ce qui serait pas très captivant, il s'agira surtout de montrer l'évolution de la dynamique profonde qui sous-tend la science, de mettre en lumière les motifs qui l'ont rendu possible et qui alimentent son développement encore aujourd'hui. Et je crois que c'est quelque chose de très important, puisque, et c'est très paradoxal, alors que la science est à la base de la société moderne, qu'elle est devenue omniprésente à travers les dispositifs techniques qu'elle a rendus possibles, nous perdons petit à petit contact avec elle. Le grand public, dont je fais aussi partie, profite et cueille les fruits que la science nous offre sans jamais en replanter les graines. Nous nous désintéressons d'elle et nous nous réfugions dans le confort de l'avoir déléguée à des experts et à des spécialistes. Mais la science, pour qu'une société qui se base sur elle fonctionne de façon saine, doit être comprise par tous. Et quoi de mieux pour ça que de se pencher sur son histoire qui, en plus, est véritablement captivante. Mais où commence véritablement la science? La réponse à cette question dépend grandement de la définition qu'on lui donne. Quant à cette vidéo, je vous propose de s'en tenir à une définition assez simple et générale. La science, c'est le geste intellectuel qui consiste à comprendre les régularités du monde et à les modéliser avec des symboles. Certes, on pourrait avoir une définition moins englobante et plus détaillée, une définition qui tendrait à confondre la science et la méthode scientifique, mais tenons-en-nous à cette définition pour l'instant. Alors, où commence la science? À ce moment? Non, c'est trop tôt. Et là? Non, c'est trop tard cette fois-ci. Ici? Eh bien, moi je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Pas vraiment. Je vous propose plutôt de commencer l'histoire de la science dans une grotte. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les magnifiques peintures rupestres du paléolithique supérieur de la grotte Chauvet, située en Ardèche. Et a priori, on ne voit pas bien ce que la science viendrait faire dans la pénombre de cette grotte, et pourtant, derrière ces peintures se cachent de formidables capacités qui, on peut véritablement le dire, sont la matrice de la science. En effet, n'avons-nous pas sous nos yeux l'effort de l'être humain pour saisir le monde, le transformer en symbole abstrait et le formaliser. Derrière l'immense bestiaire de plus de 300 animaux, représentés avec de stupéfiantes perspectives et s'associant à la structure géologique de la grotte, n'avons-nous pas déjà le spectacle de la mise en acte des structures cognitives qui contiennent en elles les germes de la science? Car oui, si ce geste particulier de la science est possible pour l'humain, c'est que son cerveau, d'une certaine façon, se prête à un tel geste. Et finalement, qu'est-ce que la science sinon un élan d'abstraction qui vise à formaliser notre environnement avec des symboles? Et n'est-ce pas exactement ce en quoi consiste le phénomène mental à l'œuvre chez nos lointains ancêtres qui ont dessiné sur les parois de cette grotte à la lueur d'une torche? Évidemment, l'activité qui consiste à peindre des animaux dans une grotte n'est pas une activité scientifique, vous l'avez compris. Mais elle procède finalement, selon moi, des mêmes structures mentales que celles qui sont à l'œuvre dans la science. Mais laissons ici nos aïeux du paléolithique et faisons un grand bond dans le temps et dans l'espace pour nous rendre dans la Mésopotamie de la fin du 4e millénaire avant notre ère. Nous voilà à Sumer, au sud de la Mésopotamie dans l'actuel Irak. Le peuple qui se trouvait ici il y a plusieurs milliers d'années a bâti la toute première civilisation, élaboré le premier système d'écriture complexe, créer en état des mythes, un système économique avancé. La dette de l'humanité aux Sumériens est considérable, car toute civilisation procède, d'une certaine façon, de la continuité de ces hommes
qui créèrent la première société. De nombreux traités des Sumériens rédigés en écriture cunéiforme nous sont parvenus. Ils traitent de mathématiques, de médecine et d'astronomie. Aussi, le peuple sumérien avait une grande maîtrise de la métallurgie et les premières réflexions sur les transformations de la matière voient le jour. Pour autant, nous sommes encore loin de la science moderne, car chez les Sumériens, tout procède du mythe et des dieux. Les maladies sont des malédictions. Le mouvement des astres est la parole des dieux qui annonce le destin des souverains et des armées qui s'affrontent. Mais malgré tout, ce peuple est le premier à avoir mathématisé certains mouvements présents dans le monde. Et même d'une certaine manière, à avoir établi les premiers modèles prédictifs. Car ce peuple était capable de prédire un petit nombre de phénomènes célestes relatifs aux phases de la Lune, à quelques mouvements d'étoiles, de planètes et aux éclipses. C'est aussi à ce moment qu'une documentation systématique du mouvement des astres est établie par les savants. Autre fait absolument décisif, ce sont les Sumériens qui les premiers conçoivent clairement l'idée de nombre et de système décimal. Et je voudrais m'arrêter là-dessus pour vous faire comprendre l'effort d'abstraction absolument vertigineux qu'il a fallu pour concevoir l'idée de nombre. Certes, ce n'est pas avec les Sumériens qu'on s'est mis à compter des choses, mais ce sont eux qui ont compris qu'on pouvait effectuer des opérations de calcul à partir d'un seul système numérique. D'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'on voit petit à petit cette évolution se produire, puisque dans les tablettes cunéiformes les plus anciennes retrouvées par les archéologues, on s'est rendu compte que les symboles numériques pour désigner par exemple un certain nombre de vaches n'étaient pas les mêmes que ceux pour désigner un certain nombre d'agneaux équivalents. Ça n'est en fait que très progressivement que les Sumériens ont accompli un des efforts d'abstraction les plus importants de notre histoire, celui qui consiste à produire en absolu du nombre, valable pour toutes les entités, et à désigner deux vaches avec le même symbole qui sert à désigner deux moutons. Autrement dit, et ça peut paraître déroutant, les Sumériens sont les concepteurs de l'idée de nombre telle que nous la comprenons encore aujourd'hui. Mais laissons ici ce peuple, fondateur de la civilisation et de l'écriture, pour nous déplacer ailleurs. Et avant de faire un autre grand bond dans l'espace et dans le temps, profitons de nous trouver non loin de l'Égypte pour aller voir ce qui s'y passe dans la même séquence de temps. Comme pour nos populations de la Mésopotamie, c'est la classe des prêtres qui s'intéresse surtout à des thématiques que nous cataloguons aujourd'hui comme scientifiques. Quoique moins superstitieux que les Sumériens, le schéma mental des Égyptiens de l'Antiquité n'est pas si différent de celui des habitants de la Mésopotamie. Certes, on comprend un peu mieux les régularités présentes dans la nature, on développe les mathématiques, l'ingénierie, la médecine progresse, mais les régularités du monde, objet d'étude principale de la science, ne sont pas comprises sous une forme autonome, mais en tant qu'elles sont le produit d'une volonté divine. Également, les mathématiques, comme chez les Sumériens, ne sont développées que dans un but pratique, mesurer des parcelles de terre pour organiser le régime de propriété, anticiper les rendements des récoltes, construire des édifices, codifier les échanges. Par conséquent, pendant l'essentiel de l'Antiquité non seulement sumérienne mais aussi égyptienne, savoir et technique sont quasiment inextricables. Autrement dit, le savoir est développé en corrélation directe avec des exigences empiriques et pratiques. Aujourd'hui, la chose est très différente. Il peut s'écouler un siècle avant que des ingénieurs trouvent une application concrète pour un modèle physique. Pour les peuples de l'Antiquité, du Proche et du Moyen-Orient, ça n'aurait aucun sens de construire des systèmes de connaissances qui sont dépourvus de fonctions et d'utilité à court terme. Pour le dire simplement, la notion de connaissance spéculative, c'est-à-dire de savoir qui ont pour objet la connaissance pure, n'a pas d'actualité pendant l'Antiquité que nous sommes en train de regarder. Si on avait brièvement à comparer l'état de la connaissance chez les Égyptiens à celle des Sumériens, on pourrait dire qu'on est surtout face à un saut quantitatif. Les connaissances sont plus nombreuses, plus précises et portent sur plus de choses, mais on n'a pas encore assisté au franchissement qualitatif qui nous fera réaliser un grand rapprochement avec ce que nous autres, habitants du XXIe siècle, appelons la science. Mais avant de laisser nos Égyptiens, rappelons quand même en quelques secondes l'héritage que nous leur devons. Outre le savoir exceptionnellement pointu pour l'époque développé dans le domaine de la médecine et particulièrement dans la chirurgie,
nous devons aux Égyptiens l'invention et la résolution des équations du second degré, des progrès considérables en géométrie et en algèbre, la découverte des solstices et des équinoxes, de plusieurs constellations, et sur le plan technique, les ciseaux, le cadran solaire et tout un tas d'autres choses qui vont du peigne jusqu'au siphon, en passant par la chemise et le parfum. Faisons maintenant un saut de l'autre côté de la Méditerranée vers une étape cruciale dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de la pensée en général. Vous l'avez peut-être deviné, nous embarquons pour la Grèce afin de regarder en détail ce que nombre de commentateurs ont qualifié tout simplement de miracle grec. À partir du VIe siècle, la pensée fait un bond prodigieux, un des plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Mais plutôt que de nous en tenir à l'explication qui relève du miracle, essayons brièvement de comprendre ce qui se passe à ce moment-là en Grèce. Un des faits importants, c'est le passage d'une écriture symbolique, comme c'est le cas pour les hiéroglyphes égyptiens ou l'écriture cunéiforme des Mésopotamiens, à une écriture alphabétique, bien plus simple à assimiler et favorisant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. De ce fait, ce type d'écriture va tendre à démocratiser la connaissance qui ne sera plus le privilège quasi exclusif d'une couche sociale religieuse. Aussi, la structure politique des Grecs, composée de petites entités à tendance démocratique, produit un élan de dialogue formidable où l'on essaye de convaincre par la rationalité dans le cadre de débats d'idées. Cette tendance va instaurer la dialectique, c'est-à-dire un jeu d'opposition d'idées argumentées, comme élément central du logiciel mental des Grecs. Autre phénomène crucial pour expliquer le miracle grec, c'est que c'est un monde ouvert sur le plan des connaissances, qui réussit à absorber aisément tous les savoirs des contrées étrangères et est en recherche active d'idées nouvelles. Toutes ces tendances conjuguées entre elles vont produire un climat exceptionnel pour le développement de la pensée, et on assiste véritablement à une des révolutions épistémiques, c'est-à-dire concernant la façon de produire et de considérer la connaissance, les plus importantes de toute notre histoire. C'est dans ce contexte qu'apparaît une figure majeure de l'histoire de la pensée, Thalès de Milet, qui justement habitait dans une de ces nouvelles colonies un peu reculées de la Grèce, puisque Milet se situe dans l'actuelle Turquie, à la porte de l'Orient et connectée à la mer Méditerranée. Thalès, dont on retient essentiellement le nom pour l'associer à son célèbre théorème, est en fait un des acteurs principaux de l'histoire de la pensée universelle et de la science. En effet, nous l'avons déjà dit, la science consiste à mettre en évidence des régularités présentes dans la nature, à en expliquer le mécanisme et à les formaliser avec des symboles. Mais jusqu'à présent, les régularités du monde étaient systématiquement expliquées par l'influence d'un principe divin. Autrement dit, ce qui expliquait les différents schémas causaux à l'œuvre dans le monde, c'était la volonté des dieux, connue des hommes par le biais des mythes. Et c'est à ce niveau que Thalès va opérer une révolution sans précédent, puisqu'il va placer le principe explicatif de la nature comme étant lui-même naturel. Les Grecs ont un concept qui est très important et qui est celui d'arché. L'arché, c'est justement le principe qui est à l'origine d'une chose et qui la gouverne. On retrouve ce mot dans la langue française, par exemple dans archétype, qui désigne littéralement ce qui gouverne un type de chose particulier. Et pour Thalès, l'arché du monde, le principe qui gouverne le monde et qui en est à l'origine, c'est l'eau. Alors ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais comme on le disait, c'est la première fois qu'un homme tente de rendre compte de l'ordre et de l'état du monde sans recours à un principe mythique. Autre point important qu'il nous faut préciser, c'est également à l'époque de Thalès que le concept de physis, qu'aujourd'hui nous prononçons physique, prend une grande importance. Pour les Grecs, la physis désigne la totalité de la nature dans le sens le plus large. Ce terme dans la littérature grecque est souvent utilisé en opposition au concept de techné, de technique, et de nomos, c'est-à-dire de loi humaine. Autrement dit, et c'est une petite chose qui va pourtant jouer un rôle décisif, le logiciel mental des Grecs désanthropomorphise la nature. Car en opposant la physis au nomos et à la techné qui sont l'essence de l'activité humaine, les Grecs cessent d'appréhender le monde par le biais de mythes qu'ils expliquent comme étant le produit de la volonté de Dieu qui sont très semblables à l'homme, et la nature devient donc une entité autonome. Pour résumer tout ça en une phrase, avec le miracle grec,
l'humanité commence à passer du mythos, c'est-à-dire du mythe, au logos, c'est-à-dire à la logique et à la rationalité. Mais tout ça reste un peu abstrait, alors voilà un exemple concret de la révolution stupéfiante qui s'est passée à ce moment-là. Rappelez-vous, nous sommes aux alentours du 6e siècle avant notre ère. À cette époque, les Égyptiens croient que le monde a été créé par Ra, un dieu à corps humain et à tête de faucon. Les Babyloniens pensent que l'univers est le produit de l'accouplement d'un dieu mâle et d'un dieu femelle. Alors évidemment, il ne faut pas dénigrer ces mythologies, qui sont malgré tout complexes et porteuses d'un message très profond. Mais quoi qu'il en soit, dans ce contexte de mythes et de divinités qui expliquent la nature d'une façon anthropomorphique, Anaximandre, très probablement élève de Thalès qui vécut dans la même période de temps et dans la même ère géographique que lui, écrit ceci. L'univers est une sphère de flamme qui entoure le froid, représentée par une terre sphérique dont la surface est couverte d'eau. Sous l'influence de la chaleur, une partie de l'eau s'évapore et se change en air humide. Grâce à sa force expansive, l'air pénètre ensuite dans la sphère enflammée et la segmente en des anneaux dans lesquels le feu se trouve comprimé et devient invisible. Celui-ci, toutefois, peut s'échapper lorsqu'une ouverture a par hasard subsisté sur l'anneau, fusant alors avec violence. Il reprend sa consistance lumineuse et forme l'un des astres que nous voyons. Dans ces mots d'Anaximandre rapportés par Diogène Laërce, la révolution mentale qui est en train de se produire en Grèce saute aux yeux. Les phénomènes naturels vont trouver leur explication dans la nature elle-même, et la pensée, progressivement, n'est pas enchaînée à la technique, mais prend une certaine autonomie en devenant une fin en soi. Le fait que la pensée gagne ainsi en autonomie va rendre possible de grands progrès dans l'abstraction. Ainsi, les mathématiques ne sont plus prisonnières de problèmes pratiques, et c'est dans ce contexte que vont apparaître Pythagore et l'école pythagoricienne. Pythagore et ses disciples, qui forment une véritable école philosophique à part entière, comprennent que tout dans la nature peut être ramené à des nombres. Un des exemples typiques, c'est la musique, où l'on attribue justement à Pythagore la découverte des rapports mathématiques dans cette dernière. D'après la légende, en passant près d'une forge, Pythagore fut charmé et surpris par les sons de marteaux de différents poids frappant sur une enclume. Il pesa les marteaux et trouva que ceux-ci pesaient respectivement 6, 8, 9 et 12 unités de poids, ce qui correspond aux intervalles de la gamme pythagoricienne. Mais au-delà d'avoir saisi la nature mathématisable du réel et d'avoir élevé le nombre au rang d'entité fondamentale de la nature, l'école pythagoricienne apporte aussi une véritable révolution méthodologique. En effet, avant eux, les mathématiques étaient assez sommaires, et ceux qui importaient vraiment dans un problème mathématique, vu que ces dernières n'étaient liées qu'à des questions pratiques, c'était le résultat. Peu importe si la démonstration était totalement valide. Mais avec le saut en abstraction de l'école pythagoricienne, les mathématiques placent leur centre de gravité autour de la notion de démonstration, d'où elles ne sont jamais sorties depuis. De ce fait, on peut dire que c'est Pythagore et l'école pythagoricienne qui posèrent véritablement la première brique des mathématiques telles que nous les saisissons aujourd'hui. Et dans la continuité des pythagoriciens et parmi tous ces hommes incroyables qui vécurent au début de cette grande épopée des Grecs, il en est un qui eut une idée aussi folle que géniale et qui jouera également un grand rôle dans le développement de la vision scientifique du monde. Cet homme, c'est Zénon d'Élée, connu pour avoir inventé une série de paradoxes comme celui d'Achille et la tortue ou celui de la flèche, qui vise à démontrer une idée très curieuse, celle que le monde n'est pas ce que nous voyons de lui. Regardez, le raisonnement est très simple. Prenons le cas d'un archer qui tire une flèche en direction d'une cible. La flèche, pour atteindre la cible, doit d'abord parcourir la moitié de la distance qui l'en sépare. Mais elle doit aussi traverser la moitié de la moitié de cette distance, puis encore la moitié de la moitié, jusqu'à l'infini. Donc théoriquement, la flèche ne devrait jamais atteindre la cible, puisqu'elle doit réaliser un nombre infini d'étapes, ce qui devrait donc lui prendre une infinité de temps. En fait, elle devrait même rester immobile, puisque chaque centimètre parcouru nécessite également une infinité d'étapes. Or Zénon n'était pas aveugle, il voyait bien que les flèches finissaient par atteindre la cible. Mais, affirma-t-il, si la flèche touche la cible, c'est la preuve que l'essence du mouvement est en dehors des apparences. Autrement dit qu'il y a quelque chose derrière la notion de mouvement qui nous échappe totalement et qui rend possible le déplacement de la flèche, malgré le fait qu'elle devrait rester immobile.
Et en disant que la réalité profonde du monde, ce qui le caractérise fondamentalement, est en dehors de ce que nous voyons, c'est-à-dire des apparences, Zénon, d'une certaine façon, découvre et annonce pleinement ce qu'il convient d'appeler la récalcitrance du monde. Dit simplement que le monde déjà est incroyablement compliqué à appréhender, mais surtout qu'il n'est pas ce que nos sens et nos intuitions premières nous montrent de lui. Cette idée que l'essence du monde est en dehors des apparences, qui n'est évidemment pas exclusive à Zénon, agira sur notre logiciel de pensée en nous encourageant à aller voir au plus profond des choses, à ne pas nous en tenir à nos sens, à nos intuitions simplistes, mais à aller chercher la complexité du réel dans ses recoins les plus dissimulés. Et pour la petite anecdote, il fallut attendre le XVIIe siècle, soit plus de 2000 ans après la formulation des paradoxes de Zénon, pour apporter une solution mathématique consistante avec la notion de série convergente. Mais il est des gens de la génération qui succède à celle de Zénon qui apporteront une réponse à ces paradoxes en faisant intervenir un concept qui aura une grande postérité, celui d'atome. On retiendra deux noms, Leucippe et Démocrite, les fondateurs de la pensée atomiste. Ce que répondent Démocrite et Leucippe à Zénon est très simple. On ne peut pas diviser le réel à l'infini, puisque celui-ci, à l'échelle fondamentale, est composé d'entités qui ne sont pas divisibles. C'est justement ce que signifie littéralement le terme d'atome, du grec atomos, qui désigne quelque chose d'insécable. De Leucippe, on sait très peu de choses. D'après la légende, il serait né à Milet, au même endroit que Thalès, et il est nommé comme étant un pionnier parmi les atomistes. C'est surtout Démocrite, un de ses disciples, qui connaîtra un certain renom. Né aux alentours de 450 avant notre ère, sa biographie est surtout marquée par de nombreux voyages. Il se rendit en Perse pour apprendre l'astronomie auprès des mages, il alla étudier la géométrie avec les prêtres égyptiens, se rendit en Inde, à Babylone, la successeur de Sumer, et dans d'autres pays. Pour Démocrite, comme pour les atomistes en général, il n'existe que deux choses fondamentalement, les atomes et le vide. Il écrit, au 5e siècle avant notre ère, « Rien ne vient du néant, et rien, après avoir été détruit, n'y retourne. Les atomes se déplacent dans tout l'univers en effectuant des tourbillons, et c'est de la sorte que se forment les composés feu, eau, air et terre. » Pour lui, les atomes sont infinis en nombre et sont obligatoirement en mouvement. Ils composent tout ce que nous voyons, du soleil jusqu'à l'âme, en passant par les animaux. On peut donc dire que Démocrite est le premier penseur intégralement matérialiste, au sens quasi moderne du terme. Dans la continuité de Zénon et d'autres, Démocrite va aussi distinguer deux formes de connaissance, la connaissance sensorielle qu'il critique et juge négativement, et la connaissance par l'intellect qu'il appelle légitime et véritable. C'est donc pour lui, comme pour Zénon, la rationalité qui est le critère de la connaissance légitime et qui seule permet de voir l'essence des choses au-delà des apparences. Hélas, des livres et de la pensée extrêmement subtile de Démocrite, il ne nous reste quasiment rien, sinon ce que les autres en ont dit. Et parmi les premiers commentateurs ayant mis en avant la pensée de Démocrite, on trouve un nom qui fait figure de géant de la pensée et qui jouera un rôle absolument vertigineux sur un pan considérable, Aristote. Contrairement à Démocrite et son idée d'atome, Aristote pensait que le monde est continu et divisible à l'infini. Mais laissons ces considérations pour voir brièvement ce qu'Aristote a apporté à la germination de la pensée scientifique. Et je crois qu'on peut dégager deux grands traits de la pensée aristotélicienne concernant le développement de la science. Le premier et caractéristique de toute la pensée de ce dernier, c'est la taxonomie, le fait d'opérer des classifications. On peut dire qu'Aristote, sans vouloir psychiatriser, avait l'obsession du fait de classifier des choses. Et la philosophie d'Aristote, d'une façon absolument géniale, s'emploie à classifier tout ce qu'elle rencontre. Il est par exemple le premier à établir une classification systématique des animaux, mais il a aussi classifié les comportements, les objets physiques, le théâtre, les régimes politiques, les sciences, la logique. Bref, tout ce qui bouge, Aristote a essayé de le classifier. D'ailleurs, pour la petite information, une grande partie de nos systèmes de classification modernes, sur des choses très diverses, repose directement sur la classification aristotélicienne. Ce geste philosophique de classification, il va avoir une utilité gigantesque pour la pensée, puisqu'il va véritablement faire naître des objets d'étude en essayant de mettre en évidence des dénominateurs communs aux choses. Par exemple, Aristote a proposé une vision et une taxonomie du vivant extrêmement complexe qui inspirera beaucoup de biologistes de l'époque moderne.
Ainsi, le grand naturaliste Georges Cuvier écrira au XIXe qu'Aristote a proposé une classification zoologique qui n'a laissé que bien peu de choses à faire aux siècles qui sont venus après lui. Charles Darwin sera lui-même très élogieux en écrivant « Linné et Cuvier ont été mes deux dieux dans de bien différentes directions, mais ils ne sont que des écoliers par rapport au vieil Aristote. » Darwin écrit aussi dans une lettre de février 1882 à propos d'un livre de biologie d'Aristote « J'ai rarement lu quoi que ce soit qui m'ait autant intéressé. » Mais au-delà du geste classificateur d'Aristote, c'est un grand apport méthodologique qui sera aussi apporté par sa pensée, car il systématise quasiment le fait de partir de l'observation pour échafauder des théories sur le monde. Autrement dit, la théorie devra rendre compte de ce qui est observé et non l'inverse, idée qui constitue la première pierre de toute la méthode scientifique. Et surtout, dans la continuité de son apport méthodologique, Aristote va définir la science comme la connaissance par les causes. Et ça, c'est très important, puisque depuis Aristote, la notion de causalité n'est jamais sortie de la science. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'avec Aristote, la science devient la méthode par laquelle on essaye de comprendre les rapports de cause à effet qui sont à l'œuvre dans la nature. Cependant, là où Aristote a commis une imprudence, c'est qu'il a justement voulu expliquer absolument tout avec ce qu'il appelle les causes finales, ce qui consiste à dire que les choses existent en vue d'une fin qui les précède, ce qui est hautement contestable. Pour résumer l'apport de cet immense philosophe à la pensée, il consiste en un geste double. Le premier, c'est celui de segmenter la nature en catégories de choses avec des dénominateurs communs, et non plus d'appréhender la nature comme une totalité informe. Et deuxièmement, d'essayer de mettre en évidence les mécanismes causaux qui sont à l'œuvre au sein de ces catégories. En vérité, l'apport d'Aristote à la pensée nécessiterait une vidéo entière pour être véritablement compris, tant son œuvre est gigantesque et profonde. Mais laissons Aristote ici, et avant de quitter la Grèce, prenons quand même un instant pour évoquer brièvement quelques autres noms et doctrines qui auront une grande influence. Citons en premier lieu Euclide et son livre « Les éléments » qui sera incontestablement l'ouvrage de mathématiques le plus influent de toute l'histoire et qui posera toutes les bases de la géométrie. C'est dans ce livre que la géométrie algébrique sera développée pour la première fois et qu'un ouvrage de mathématiques procède en partant d'axiomes, c'est-à-dire de bases très fondamentales, et élabore des propositions de plus en plus complexes au fil du développement. Autrement dit, c'est avec Euclide que la géométrie devient véritablement déductive et démonstrative, en s'inscrivant dans la continuité de l'apport philosophique et méthodologique des pythagoriciens. Citons aussi Ératosthène, pour être le premier à avoir mesuré la circonférence de la Terre avec une précision étonnante, sans oublier Archimède, un des plus grands savants de toute l'Antiquité, à qui revient l'honneur d'être le premier à avoir formalisé avec justesse une loi physique, celle relative aux forces présentes dans les fluides. En plus d'avoir apporté énormément aux mathématiques, en découvrant le moyen de calculer le volume d'une sphère ou en posant les bases de la mécanique statistique. Évoquons aussi la doctrine sceptique qui voit le jour avec Pyrrhon et qui annonce quasiment certains aspects de la méthode scientifique, en érigeant le doute comme vertu principale de la pensée et en évacuant le plus possible les dogmes et les hypothèses métaphysiques. Cette doctrine d'ailleurs connaîtra un grand sursaut au moment de la Renaissance et au début de la science moderne à proprement parler. Pour récapituler brièvement tout l'héritage incroyable de la pensée grecque, le premier, et sans doute le plus important, c'est le passage d'une vision mythologique du monde à une vision qui s'appuie sur la rationalité. Une des conséquences de ça, c'est que la pensée s'articule autour de la notion de démonstration et progresse dans l'abstraction, comme en témoigne l'émergence de l'école pythagoricienne et atomiste. Aussi, la science commence à être formellement définie, particulièrement grâce à Aristote qui va la délimiter dans ses objets d'étude et qui va lui assigner la tâche d'enquêter sur les mécanismes causaux qui régissent le développement des choses. Voilà, nous en avons fini avec la Grèce et cette période si bouleversante de l'histoire de l'humanité. Évidemment, c'est impossible dans une vidéo comme celle-là d'élaborer rigoureusement tout ce qui devrait l'être, mais je crois que nous avons maintenant une bonne vue d'ensemble de ce qui s'est passé à ce moment-là et dans ce que les commentateurs ont eu raison de nommer le miracle grec. Mais pour être tout à fait précis, nous n'avons pas encore véritablement assisté à la naissance de la science. Certes, on la voit timidement pointer le bout de son nez, et les premières pierres qui la constituent viennent d'être posées. Mais ce à quoi nous venons d'assister, en réalité, c'est à la naissance de la philosophie.
Mais la philosophie et la science sont tellement liées qu'il était impensable de faire convenablement la généalogie de l'une sans faire celle de l'autre. Et tandis que cette étape était plutôt longue, la prochaine sera au contraire très courte, puisque nous allons à Rome et que le peuple romain de l'Antiquité n'était pas vraiment un peuple porté vers la science. Mais nous avons quand même quelque chose à y voir, alors embarquons. En effet, je disais que cette étape serait courte, et c'est pour la raison suivante. Ce qui caractérise fondamentalement les Romains, c'est leur dimension pratique. À l'inverse des Grecs très portés sur la théorie et sur de hautes réflexions, le Romain a plus à cœur les questions pratiques. En ce sens, ils furent d'excellents ingénieurs, médecins, hommes d'État, stratèges militaires ou philosophes de l'existence concrète, mais la science, dans sa dimension la plus abstraite, n'a pas connu de grande évolution à ce moment. Les Romains, dans ce domaine, se sont contentés de reprendre et perpétuer l'incroyable héritage de la Grèce. Mais il nous faut quand même évoquer un homme qui figure dans l'histoire romaine et qui fondera une astronomie qui connaîtra une postérité considérable, Ptolémée, et qui vécut au IIe siècle. Ptolémée, à proprement parler, n'est pas romain mais grec. À cette époque, la Grèce est sous domination romaine, et donc je pensais plus pertinent d'intégrer Ptolémée à cette séquence consacrée à Rome. Pour faire un petit récapitulatif, souvenez-vous. Les Sumériens, les Égyptiens et les Grecs avaient consigné de façon quasi systématique le mouvement des astres, produisant un volume de données gigantesques. Ces données ont infusé le monde grec, sont passées à l'Empire romain et sont arrivées jusqu'à Ptolémée qui a construit un modèle permettant de prédire le déplacement de plus d'un millier d'étoiles à partir de tables mathématiques. Dans ce modèle, le mouvement des astres est décrit comme si la Terre se trouvait au centre de l'univers. C'est donc un modèle géocentrique. Cette idée, comme vous le savez, fera l'objet d'une grande controverse, mais nous y reviendrons en temps voulu. Du reste, profitons de ce petit interlude à Rome pour essayer de comprendre les causes qui font que des sociétés produisent ou non des révolutions ou de grandes avancées scientifiques. Et il me semble qu'on peut dénombrer trois critères nécessaires qui vont permettre le développement de la science. Le premier, c'est celui de la stabilité politique, car la production d'une pensée scientifique nécessite un travail laborieux, calme et sédentaire. Il faut aussi emmagasiner beaucoup de connaissances, et c'est assez facile de comprendre qu'une période très instable rend compliquée l'émergence d'esprit scientifique, qui au contraire s'épanouit plutôt dans le calme des bibliothèques. Aussi, il faut qu'une société dispose d'un surplus économique qu'elle injecte dans la science. Aujourd'hui, par exemple, les gouvernements et les sociétés privées financent des travaux de physique théorique qui, a priori, n'engendreront aucun bénéfice économique. C'est notamment le cas du grand collisionneur de particules qui a coûté 5 milliards d'euros et qui n'aura jamais de retombées économiques positives. En revanche, il a permis de faire de grandes avancées sur la physique théorique en permettant de découvrir le boson de Higgs. Et troisième point, il faut qu'une société soit dirigée par un élan qui la pousse à vouloir comprendre la nature sans autre finalité que celle de mieux comprendre le monde. Les raisons qui peuvent pousser vers cette dynamique sont assez variées. Par exemple, le fait d'attribuer à la connaissance abstraite une haute valeur sociale peut-être une grande motivation pour le développement des connaissances théoriques. Et ces trois conditions que nous venons de citer ne sont pas tellement réunies dans l'Empire romain, qui connaîtra des grandes périodes d'instabilité, qui aura plus à cœur d'injecter ses surplus économiques dans le domaine militaire pour étendre ses limites, et qui n'aura pas la même volonté que les Grecs à valoriser une élite de savants et de philosophes. D'ailleurs, avant que ces trois conditions ne se réunissent à nouveau, il faudra attendre un certain temps. Car la chute de l'Empire romain, entraînant la disparition des connaissances accumulées par le monde grec de l'Europe, ainsi qu'une grande période d'instabilité et de précarité, ne sera pas du tout propice au développement de la science. Pour la voir repointer le bout de son nez, il nous faut nous déplacer et retourner dans des paysages plus arides, dans une époque qu'on a qualifiée d'âge d'or de l'islam. Nous nous apprêtons donc à faire le voyage jusqu'à Bagdad, au 8e siècle, pour aller voir ce que cette civilisation musulmane, nouvellement sorti des sables du désert, a apporté au grand édifice de la science. Entre 1632 et 751, les Arabes conquièrent de façon fulgurante un territoire gigantesque allant de l'Atlantique à l'Himalaya. Pour la première fois, une même entité civilisationnelle va regrouper le monde méditerranéen, riche de la tradition gréco-romaine, et le monde oriental centré sur la Mésopotamie, la Perse et une partie de l'Inde.
Cette situation très particulière va placer la civilisation arabe dans un carrefour de connaissances qu'elle va parfaitement réussir à synthétiser et assimiler. En 762, sous la dynastie abbasside qui vient de prendre le pouvoir, la ville de Bagdad est érigée et va rapidement devenir un centre de connaissances formidable. Grâce à une élite de savants et particulièrement grâce à un effort gigantesque de traduction des œuvres étrangères, dans les fameuses maisons de la sagesse qui étaient des centres de traduction et de réflexion, on redécouvre des anciens traités de médecine, d'optique, de philosophie, de mathématiques et d'astronomie. Bref, c'est un volume de connaissances exceptionnelles qui va être intégré par cette nouvelle civilisation musulmane. Mais surtout, une innovation très utile va petit à petit s'associer à cette dynamique pour l'accroître de façon considérable, le papier. Venu de Chine, bien plus simple à produire que le parchemin, il va favoriser l'expansion de la connaissance à un rythme jamais vu auparavant. Grâce à ça, les traductions des travaux grecs, indiens et iraniens vont se diffuser très rapidement chez les savants et permettre une démocratisation de la connaissance. Et je me permets ici d'ouvrir une parenthèse. En vérité, on pourrait rajouter un quatrième critère qui va faire que la connaissance scientifique connaît une avancée majeure, celui de l'innovation concernant les supports informationnels. En Grèce, c'est en partie le fait que l'information est médiatisée par une écriture alphabétique, plus simple à appréhender, qui va favoriser le développement de la connaissance. Chez les Arabes, c'est l'introduction du papier, au moment de la Renaissance, l'imprimerie, et concernant notre époque, Internet et les technologies numériques. Mais nous reviendrons là-dessus en temps voulu. Nous l'avons dit, le monde arabe sera considérablement influencé par l'héritage de la Grèce. Les travaux d'Aristote en sciences, les mathématiques d'Euclide et l'astronomie de Ptolémée vont constituer la base sur laquelle la science arabe va fleurir. En quelque sorte, nous pouvons dire que les musulmans reprennent le flambeau là où les Grecs l'avaient laissé. Et ce que je vous propose maintenant de faire pour avoir un panorama général de cette période, c'est de regarder trois figures marquantes de cet âge d'or pour y voir plus clair. La première d'entre elles va placer la barre très haute, puisqu'il s'agit d'Al-Khwarizmi, pardon pour la prononciation, mathématicien de génie qui est le père de l'algèbre moderne et le principal artisan de la notion mathématique d'algorithme, dont le nom vient d'ailleurs de la latinisation de son patronyme. Son livre, abrégé de calculs par la restauration et la comparaison, en plus de poser les bases de nombreux concepts et méthodes mathématiques, va également développer la forme décimale que nous connaissons aujourd'hui. Fait absolument crucial, ce système décimal inclura le zéro, qui n'était pas utilisé jusqu'à ce moment, sauf en Inde. Et c'est justement grâce aux conquêtes arabes de l'Inde, à l'importation des manuscrits mathématiques sanscrits et à leur traduction, qu'Al-Khwarizmi a pu extraire le zéro, l'utiliser et nous le transmettre. En réalité, ce qui va faire l'extrême singularité et profondeur des mathématiques et des sciences arabes, c'est qu'elles réalisent une sorte de fusion entre la logique et les travaux grecs et ceux du monde indien. C'est grâce à ça, par exemple, que la trigonométrie sera développée et qu'elle sera ensuite réutilisée, toujours par Al-Khwarizmi, pour apporter de grandes précisions au système astronomique de Ptolémée dont nous avons déjà parlé. La deuxième figure que je voudrais évoquer est celle d'Ibn al-Haytham, connu en Europe sous le nom d'Al-Hazen, né en 965. Al-Hazen est le type le plus caractéristique et impressionnant de ces savants qui vécurent à cette époque. Considéré comme un des artisans principaux de la méthode scientifique moderne, qui consiste en une étude systématique des phénomènes, en cherchant à acquérir de nouvelles connaissances ou à corriger et intégrer les connaissances antérieures, tout en se basant sur la collecte de données par l'observation et la mesure, afin de procéder à la formulation et aux tests d'hypothèses pour expliquer les données. Cette méthode, il l'appliquera à un phénomène que personne ne comprend à son époque, la lumière. Dans ce temps-là, la majorité des savants, dans la continuité de Platon et de Ptolémée, pensent que l'œil émet de la lumière sur les choses et cause la vue. Et Al-Hazen, en plus de comprendre que la lumière a une vitesse qui n'est pas infinie et peut même varier selon le milieu où elle se déplace, va comprendre d'une façon étonnamment précise et exacte le fonctionnement de la lumière et par ricochet le fonctionnement de l'œil. Pour parvenir à ses découvertes, il a utilisé ce qu'il convient peut-être de nommer le tout premier dispositif expérimental moderne, celui de la chambre noire. La chambre noire est une pièce ou une boîte complètement obscurcie, avec une petite ouverture à une extrémité. Lorsque la lumière extérieure passe à travers le trou, elle va créer une image inversée du monde extérieur sur la surface opposée à l'ouverture. Et à partir de cette base, Al-Hazen va effectuer diverses modifications sur le dispositif expérimental et va voir des variations sur les résultats obtenus. À partir de ces variations, il va réussir à dégager des conclusions générales, parmi lesquelles celle que la lumière se déplace en ligne droite, et il va réussir à mettre correctement en évidence les phénomènes de réfraction et de réflexion,
posant donc les bases de l'optique moderne. Alhazen, comme les savants de son époque, est un véritable polymathe. Mathématicien, psychologue, astronome, géographe, ingénieur, médecin, il côtoie tous les champs de la connaissance. Et c'est cet éventail très large de connaissances qui va lui permettre une approche innovante, par exemple en modélisant géométriquement les dynamiques de la lumière ou en mettant en évidence la physiologie de l'œil. En bref, toute proportion gardée, Alhazen est un peu un mélange entre Léonard de Vinci et Newton, et sa postérité, comme nous le verrons, accélérera le développement de la science en Europe. Aussi, pour l'anecdote, Alhazen, qui d'après la légende simula la folie pour échapper à la sanction d'un calife, influencera Lovecraft qui s'inspira de lui pour façonner le personnage d'Abdul al-Hazred, l'arabe dément, auteur d'un ouvrage de démonologie. Quant au dernier homme qu'il nous faut évoquer pour bien comprendre en quoi consiste cet âge d'or de la civilisation musulmane, il s'agit évidemment d'Averroès, médecin et philosophe du XIIe siècle, responsable en grande partie de l'introduction de la pensée aristotélicienne chez les sphères intellectuelles et théologiques européennes. En réalité, Averroès n'est pas un savant caractéristique de cette époque, c'est véritablement un philosophe. Mais sa démarche philosophique jouera un grand rôle dans le développement de la pensée scientifique, et il nous faut donc l'évoquer. Car ce que va faire Averroès, c'est d'utiliser les outils de la logique et de la philosophie d'Aristote pour s'essayer à consolider et démontrer la véracité de l'existence de Dieu et de la foi musulmane. Autrement dit, Averroès va entreprendre de consolider la foi avec la logique, le raisonnement par inférence et les syllogismes. Avec lui, bien qu'il ne soit pas le premier à faire cette tentative, la foi ne repose plus sur le simple mode de la révélation, mais tente d'être rationnellement défendue. Et cette démarche d'Averroès, grâce à la postérité qu'elle connaîtra, sera en partie responsable de l'introduction d'une pensée rationaliste dans le canon théologique occidental. Pensée qui encouragera l'élite intellectuelle à se porter sur la philosophie naturelle et à se détacher progressivement de la révélation dans son logiciel de compréhension du monde au profit d'une pensée logiquement construite. Voilà, nous nous apprêtons maintenant à laisser l'atmosphère brûlante de Bagdad et les prodigieuses avancées de cet âge d'or de la pensée. Nous aurions pu aussi parler d'Ibn Khaldoun et de sa démarche qui a participé à construire la sociologie et la démographie, mais je me contenterai simplement ici d'évoquer son nom et laisserai ceux que ça intéresse jeter un œil à ses travaux. Quoi qu'il en soit, nous venons d'assister à la remise en avant de la pensée grecque. Cette pensée, forte des consolidations du monde indien et perse, connaît des développements formidables, et sa substance se déplacera sur des champs de plus en plus vastes jusqu'à atteindre la théologie. Grâce aux efforts d'hommes exceptionnels, ce qui était des mystères insondables prennent petit à petit une forme claire, et le volume de connaissances produit pendant cet âge d'or jouera le rôle d'un immense facilitateur dans les capacités d'abstraction et d'analyse du monde par l'homme. Bien plus qu'un petit saut quantitatif, cette civilisation musulmane, dont l'apogée en intelligence sera interrompue par les invasions mongoles, ça ne s'invente pas, au XIIIe siècle, a produit énormément et a offert une nouvelle chance à la pensée rationnelle et à la philosophie naturelle de conquérir le monde. Et quant à la conquête suivante de cette pensée, je vous propose de nous rendre à l'église Sainte-Croix d'Oxford en l'an de grâce 1250 pour y faire la rencontre d'un bien étrange moine. Allons-y. Mais avant ça, prenons quand même le temps de faire un point de contexte sur la situation européenne. Au XIIe siècle, après 750 années d'instabilité, de guerre et d'invasion, les structures du monde féodal se stabilisent et la population augmente. Quelques progrès dans les technologies agricoles et surtout l'apparition du moulin laissent entrevoir une période plus confortable que celle qui caractérise les siècles qui viennent de s'écouler. Aux alentours de l'an 1000, l'Occident est très en retard sur les Byzantins et les Arabes sur le plan économique et scientifique. Mais à cette époque, l'Andalousie est sous domination musulmane, et la ville de Cordoue accueille les savoirs de l'âge d'or de l'islam et les manuscrits du monde ancien qui ont été traduits à ce moment par les Arabes. Petit à petit, la classe intellectuelle en Occident va donc prendre contact avec tout ça et s'engager sur la traduction des manuscrits arabes. Soulignons ici le rôle des Juifs qui, parlant à la fois arabe et latin, ont pu aider à ce grand effort de traduction. Et c'est à Tolède, à la frontière de l'Espagne chrétienne et de l'Espagne musulmane au XIIe siècle, que sont traduites les œuvres mathématiques d'Al-Khawarizmi, qui amènent le zéro et l'algèbre, l'Almageste, le grand traité d'astronomie de Ptolémée, mais aussi les traités physiques d'Aristote et les travaux en optique d'Alhazen. D'autre part, les croisades qui ont lieu à ce moment amènent l'Occident à l'Orient et lui permettent de prendre contact avec les manuscrits grecs originaux et de les traduire. Aussi, des écoles fleurissent en Europe jusqu'à devenir de véritables universités au XIIe siècle, dont celles de Paris et d'Oxford qui furent les plus importantes.
La formation dans ces universités est extrêmement générale puisque les étudiants doivent maîtriser l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, ce qu'on appelle le quadrivium. À cette époque, un thème récurrent centralise presque tous les débats, celui du lien qui doit unir foi et raison. Vous vous en doutez, toute la classe intellectuelle gravite autour du fait religieux. Et lorsque le système d'Aristote arrive dans l'Europe du XIIe siècle, des tensions apparaissent concernant l'utilité qu'il faut lui donner. Faut-il bâtir la foi chrétienne sur cette logique, génialement ordonnée, universelle, déterministe et imperturbable, comme Averroès avait tenté de le faire pour l'islam? Ou à l'opposé, faut-il séparer radicalement la foi du modèle aristotélicien? Tous ces débats, parmi lesquels figure aussi la querelle des universaux, qui est toujours d'actualité, et qui consiste à savoir si les concepts avec lesquels nous désignons les choses ont une réalité indépendante de nous ou non, vont alimenter la pensée et l'amener dans des terres extrêmement fertiles. Mais retournons maintenant à l'église Sainte-Croix d'Oxford pour aller y trouver notre bien étrange moine en la personne de Roger Bacon. Né en 1220 au Royaume-Uni, il est élève dans des premiers grands hommes de science de cette nouvelle génération du Moyen-Âge, Robert Grosse-Tête, ça ne s'invente pas, qui a énormément étudié les travaux d'optique d'Alacène, l'astronomie de Ptolémée, les travaux d'Aristote et d'Averroès. Roger Bacon va assimiler tout ce savoir et le continuer. On suppose aussi qu'il était un alchimiste, et il nous faut ici ouvrir une petite parenthèse sur l'alchimie. Depuis le premier siècle de notre ère, et peut-être depuis des temps bien plus reculés, les transformations de la matière, des métaux et des liquides sont des choses très mystérieuses qui suscitent beaucoup d'engouement. On cherche à transformer les métaux vils, comme le plomb, en métaux nobles, essentiellement en or. L'alchimie côtoie aussi la médecine et l'herbologie, et même si les ambitions de cette discipline sont rarement atteintes, elle va permettre de construire un savoir, ne serait-ce que symbolique, sur les phénomènes chimiques et sur les transformations de la matière. Mais ramenons maintenant notre regard sur Roger Bacon. Notre moine anglais n'est pas simplement une figure pré-scientifique surcultivée. En réalité, il va avoir presque toutes les intuitions qui seront à l'initiative de la science moderne deux ou trois siècles plus tard. Il va par exemple comprendre un des faits qui sera à la base de la naissance de la science moderne avec Galilée et qui concerne le rôle des mathématiques, puisque selon lui, les mathématiques sont la porte et la clé des sciences naturelles et la clé de la philosophie. Aussi, dans son livre le plus important, l'Opus Majus, il écrit « Il y a deux moyens par lesquels nous acquérons la connaissance, le raisonnement et l'expérience. Le raisonnement termine la question et nous la fait terminer aussi, mais il ne donne pas de preuves et n'enlève pas le doute et ne fait pas que l'esprit se repose dans la possession consciente de la vérité, à moins que la vérité ne soit découverte par l'expérience. » Plus tard, toujours dans ce même livre, il dit ceci « L'argument est concluant, mais il n'ôte pas le doute, de sorte que l'esprit ne peut trouver le repos dans la parfaite connaissance de la vérité qu'en la trouvant par la méthode expérimentale. » D'autre part, dans un monde extrêmement rigide intellectuellement, il va lister quatre critères très provocants pour l'époque qui font obstacle au progrès de la connaissance. Le premier, une autorité débile et incompétente. Le deuxième, de vieilles habitudes. Ensuite, une opinion publique ignorante. Et enfin, la dissimulation de l'ignorance individuelle sous un étalage de sagesse apparente. Évidemment, on ne peut que tomber d'accord avec lui, et cette analyse est toujours d'actualité. Et fait plus anecdotique mais néanmoins étrange, il a eu deux intuitions quasi prophétiques que je voulais juger. La première, il écrit « Il est également possible de construire des voitures telles que sans animaux, elles se déplaceront avec une rapidité incroyable. On peut aussi fabriquer des machines volantes, telles qu'un homme assis au milieu de la machine fera tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un oiseau en vol. On peut aussi réaliser facilement une machine permettant à un homme d'en attirer à lui un millier d'autres par la violence et contre leur volonté, et d'attirer d'autres choses de la même manière. On peut encore fabriquer des machines pour se déplacer dans la mer et les cours d'eau, même jusqu'au fond, sans danger. On est au XIIIe siècle et on croirait pratiquement lire du Jules Verne. » Et l'autre intuition, qui s'il l'avait affirmée avec plus d'assurance aurait pu lui causer de gros ennuis, « Je cuide que le ciel est meut et la terre non. » Nonobstant les raisons au contraire, car ce sont persuasions qui ne concluent pas évidemment. Ce que ça veut dire, c'est qu'il avait de légers doutes sur le fait que la terre soit immobile et que le ciel tournait autour d'elle. Et il pouvait penser que c'était au contraire la terre qui tournait et que le ciel était immobile. Mais ses innovations et son audace intellectuelle, Roger Bacon la paiera cher puisqu'il sera mis en prison pendant 10 ans, ou à minima durement assigné à résidence et interdit d'enseignement. Il mourra en 1292 ou 1294, la date n'est pas sûre, dans des conditions difficiles, et peut-être sous la pression de ceux qui l'entouraient et affaibli par une vie difficile, il dira sur son lit de mort « Je me repens de m'être donné tant de peine dans l'intérêt de la science. » Quant à nous, au contraire,
nous le remercierons ici d'avoir livré son brillant esprit à l'étude du monde. C'est aussi à cette période qu'un concept très important prend une forme de plus en plus claire, celui de force, qui sera à la base de la naissance de la science moderne. À l'époque, force se dit impetus, et des auteurs comme Jean Buridan, son artisan principal, Nicolas de Cuse ou Orzem, développent l'idée qu'un certain nombre de phénomènes peuvent être totalement modélisés par l'acte qui consiste à comprendre les forces auxquelles ils sont sujets. Citons Jean Buridan qui explique très simplement le concept de force. Quand un déménageur met un corps en mouvement, il y implante un certain impetus. C'est une certaine force qui permet au corps de se déplacer dans la direction dans laquelle le déménageur démarre ce mouvement, qu'il soit vers le haut, vers le bas, vers le côté ou en cercle. Par conséquent, à ce moment, on s'engage à pas prudent vers une réflexion sur les forces, sur les causes de ces forces et sur les lois qui permettent de les modéliser. Mais toutes ces initiatives prodigieusement novatrices, qui se développent surtout entre le XIe et le début du XIVe siècle, seront interrompues par la peste noire et par l'instabilité causée par la guerre de Cent Ans. Pendant un siècle, l'Occident et ses diverses entités se préoccuperont davantage de survivre que de développer la pensée. C'est à partir de la seconde moitié du XVe siècle que quelque chose d'absolument crucial va se jouer et ne s'interrompra plus jusqu'à nos jours. Mais cette histoire, qui prend racine dans la Renaissance, nous la découvrirons dans la seconde partie de cette aventure. Pour résumer, nous avons assisté à beaucoup de choses depuis les débuts de notre voyage. Nous avons vu les prémices de la pensée sortir d'une grotte, passer par la Mésopotamie et l'Égypte et se développer en Grèce pendant une période bénie. Nous avons suivi l'âge d'or de la civilisation islamique et ses savants géniaux pour arriver jusqu'au Moyen-Âge en Occident. Pendant tout ce temps, la pensée s'est petit à petit déconnectée du mythe pour se déployer dans une immanence rationnelle, c'est-à-dire dans quelque chose qui appartient à notre monde et qui peut être décrit sous un mode logique. Aussi, certains des concepts qui vont véritablement constituer la science moderne ont déjà commencé à se développer et les choses vont très rapidement s'accélérer par la suite. L'homme, au moment où nous en sommes, commence tout juste à apercevoir du coin de l'œil l'immense étendue qui s'ouvre face à lui et qu'il s'apprête à franchir. Il va bientôt se doter d'une curiosité titanesque qu'il n'assouvira jamais, et il est à deux doigts de trouver les clés qui lui permettront d'ouvrir l'immense citadelle du cosmos et de la nature, entraînant ainsi le passage d'un monde clos sur lui-même à celui d'un univers ouvert et infini, pour reprendre la formule d'Alexandre Coiré. Tout ça, nous le verrons lors de la prochaine vidéo, où nous assisterons à la naissance de la science moderne avec Giordano Bruno, Copernic, Kepler et Galilée. Nous regarderons aussi la philosophie qui se niche derrière cette révolution, puis nous franchirons les siècles jusqu'à aujourd'hui pour regarder en détail une des révolutions anthropologiques les plus profondes qu'a connue notre espèce, celle de la généralisation de la science et de ses progrès fulgurants. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous demande d'être indulgent, c'est la première fois que je m'essaye à un projet de ce type et aussi long. J'ai sans doute commis quelques imprécisions et maladresses que je vous encourage à souligner en commentaire. D'autre part, c'est impossible de traiter tout ce qui devrait l'être, mais j'espère au moins que cette vidéo vous a un peu donné envie d'approfondir certaines choses, et surtout qu'elle vous a aidé à prendre conscience de l'immense édifice conceptuel sur lequel nous nous trouvons actuellement et dont nous n'avons vu pour l'instant qu'une petite partie. Du reste, je vous mettrai des références supplémentaires en description pour ceux qui veulent approfondir. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, restez curieux, et je vous dis à bientôt.